GG Wantwashé, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale puisque ça va être un haul. Et aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration avec Temu. Première collaboration avec Temu, je suis trop contente et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai choisi sur leur site. Du coup, pour celles qui ne connaissent pas Temu, du coup, Temu est un site chinois dédié au commerce en ligne. Donc, ce site propose vraiment des articles à prix très réduit. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté la collaboration en sachant que moi, je n'ai jamais là. Vraiment, je vais vous donner mon avis sincère puisque je n'ai jamais commandé sur ce site. Donc là, vraiment, quand ils m'ont proposé la collaboration, je me suis dit, ça va être l'occasion de voir leurs produits, de tester et de donner mon avis sincèrement. Donc là, on va commencer par montrer les articles. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et je vais vous mettre un petit code pour cette collaboration où vous avez jusqu'à moins 90% sur le site pour les nouveaux utilisateurs. Donc je vous mettrai le code ici ou ici à voir, je ne sais pas encore. On va commencer par le petit haul, vous montrer un peu ce que j'ai choisi et ce que j'en pense des produits puisqu'il y en a certains que j'ai testés et il y en a d'autres que je n'ai pas encore testés. Bon, au niveau des articles, on aura 4 choix. Donc, je suis partie sur 4 choix puisque j'avais le choix entre des articles maison ou cuisine. Donc, vraiment, pour tester un peu de tout, j'ai fait le choix de partir sur 4 catégories en fait différentes. Donc, je suis partie sur de la décoration, 2 articles au niveau de la déco, on va dire chambre, enfant et tout pour tester, des articles en cuisine, un peu de linge de maison et 2-3 articles bébé, on va dire tout ce qui touche à bébé. Donc, on va commencer par ce qui est de la décoration, on va dire, pour les enfants, pour les chambres. J'ai choisi des petits coussins comme ceci, donc en forme de fleurs. Je vais l'ouvrir devant vous. Donc, moi, j'ai touché la matière. J'en ai pris 2. Donc, cette couleur. Par contre, les couleurs, elles sont bien. Et il est tout doux. Elles sont ils sont très colorés, les coussins. Ils sont tout doux. Donc, ça, j'ai pris pour Kiki et Kylie. Donc, en soi, ils sont doux. Je l'ai pensé plus épais, mais ça va, c'est pas non plus tout plat. Donc pour le lit ou même pour s'asseoir par terre et tout dans leur chambre, franchement c'est nickel. Hein. À voir après au premier lavage, mais sinon j'aime bien. Regardez. Ils sont trop beaux. Et ceux-là, ils étaient, attendez, je vais vous dire, étaient à 15,29 €. Donc en soi, ça va. J'aime trop et franchement j'ai testé, j'en ai ouvert un et j'ai tiré comme ça pour vraiment tester le coussin si les poils ne partaient pas, enfin si la fourrure ne partait pas. Parce qu'il y a certains coussins quand on les achète au magasin, dès que vous faites ça, vous avez la fourrure en fait qui vous reste au doigt. Et non, là franchement ça tient bien et les filles pourront les utiliser dans leur chambre pour s'asseoir par terre ou même pour poser en déco sur leur lit. Donc très contente de déjà ces deux premiers articles. En plus je les ai montrés aux filles et les filles elles ont bien aimé. Parmi les décorations, tout ce qui concerne la chambre des enfants, j'ai choisi cette petite veilleuse astronaute. Attendez, je vous la montre. On l'a déjà testée et vraiment c'est la veilleuse de Kiki. Elle l'adore, ça fait plusieurs jours qu'elle l'utilise. Et vraiment, c'est le top du top. Je voulais aussi choisir quelque chose d'un peu, on va dire, électronique pour voir ce que ça donne au niveau de leurs produits électroniques. Comme ça, est-ce que c'était bonne qualité ou pas? Et franchement, je suis grave satisfaite. Donc, cette petite veilleuse astronaute se présente comme ceci. Hop, avec la tête qui s'enlève. Donc, c'est pour pouvoir l'ajuster, en fait, quand vous la posez sur une étagère. Donc là, comme vous voyez au niveau de la visière de l'astronaute, en fait, il y a une petite lumière. Enfin, il y a une petite lumière. Il y a une petite caméra, mais ce n'est pas une caméra. En fait, c'est ce qui permet de projeter les petites étoiles. Je vais vous mettre une petite vidéo ici. Attendez, je vais vous pousser. Je vais vous mettre une petite vidéo ici où je vais vous montrer. Vous allez voir comment elle fonctionne dans la chambre de Kiki. Et vraiment, tous les soirs, Kiki, dès qu'on arrive au lit,
elle demande la petite veilleuse. Elle veut même plus sa veilleuse ours, elle demande directement la petite veilleuse astronaute. Donc, comme je vous disais, ici, ça projette les petites étoiles et ça fait vraiment effet, comment dire, on a l'impression d'être dans l'espace. Vraiment, on l'aime beaucoup et grâce à ça, je ne vais pas vous mentir, qu'elle passe ses nuits dans sa chambre. Parce que vraiment, avant, c'était l'horreur, elle a une veilleuse ourson et dès que la veilleuse, au bout de 15 minutes ou 20 minutes, parce qu'on peut la régler, dès qu'elle s'arrêtait, en fait, elle se réveillait. Et là, le truc, c'est que c'est sur secteur en plus. Le petit astronaute, vous le branchez et en fait, il ne s'arrête jamais. Donc là, il tourne pendant toute la nuit. Donc pendant la nuit, si elle se réveille, voilà quoi, elle voit toujours cet effet galaxie, les petites étoiles et tout. Donc elle fait ses nuits au complet. Parce que Kiki ne fait pas ses nuits, hein, faut bien préciser. Vraiment au top du top. En plus, c'est bien parce que c'est pas à pile. Moi, il faut savoir que tout ce qui est à pile, j'aime pas trop parce que voilà, ça tourne pendant toute la nuit. Et après, au bout de 2-3 jours, on est obligé de changer de pile. Donc là, sur secteur, vous branchez et vous êtes tranquille. Donc la petite tête amovible, comme je vous ai dit, enfin, on peut la déplacer comme on veut pour pouvoir projeter ben, au plafond, sur un mur, à droite, à gauche, où vous voulez. Vraiment, ça, c'est le top du top. En plus, elle est toute mimi, toute mignonne. Et la petite veilleuse astronaute, elle était à combien? Attendez, je vais vous dire ça. 20,39 €. Projet. Ouais. 20,39 €. Je ne vous dis pas de bêtises. 20,39 €, la petite veilleuse. Vraiment, c'est de la qualité. On va passer aux articles cuisine. Donc, les articles en cuisine, j'ai choisi. Hop, les. Découvert. Donc, comme vous voyez, je les ai ouverts, mais pas testés encore, puisque je vais les tester pour un repas. Donc, ces couverts, attendez, je vais les ouvrir, je vais vous montrer. Ils étaient à 8,59 € le lot de 24 pièces noires et dorées. Et ça, je sais que découvert comme ça, en général, ça fait style un peu maison du monde. Ils sont plus que 8 €, quoi. Donc, regardez. Ils sont trop, trop beaux. Je suis trop, trop contente, vraiment. Pour les repas en famille, les petits brunchs. Ça, c'est la petite cuillère. Elle est design et tout, j'aime bien. Elle est trop mimi. Trop, trop mimi. Trop, trop belle. En plus, ça tombe bien parce que dans pas longtemps, j'ai prévu un brunch en famille. Et franchement, regardez. Ça, c'est la grosse cuillère. Et elle est trop, trop belle. Donc, on a les couteaux, enfin, les fourchettes, les cuillères. Vous avez les couteaux. Attendez, je vais vous montrer les couteaux aussi parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Si j'arrive à regarder. Ils sont jolis, hein. Pour 8,59 €, c'est ça? Pour 8 € et quelques, franchement, ils sont trop, trop beaux. Dorés comme ça, j'aime trop. Donc après, à voir, à force de les utiliser, si la partie dorée va s'enlever, mais je pense pas. Après, elles sont pas lourdes. Elles sont archi, archi légères. Donc vraiment, j'aime bien. Elles sont trop, trop belles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, je vais ranger tout ça. Et on va passer au deuxième article côté cuisine. Là, vraiment, pour l'instant, je suis contente. Je suis satisfaite des produits. Comme je vous ai dit, là, je vous donne sincèrement mon avis puisque ce n'est pas un site où j'ai déjà commandé. Vraiment, les sites, tout ce qui est Internet, je ne suis pas trop Internet, moi. Donc là, vraiment, quand ils m'ont proposé la collaboration, comme je vous ai dit, je me suis dit pourquoi pas. Comme ça, au moins, je verrai ce que ça donne. Et là, j'aurai un avis vraiment propre à moi. Hop. En deuxième article, j'ai choisi, je suis partie sur ces petits bols en bois. Donc avec les deux petites cuillères en bois. Attendez, je vais vous montrer un peu plus mieux. Donc
Donc les deux petites cuillères comme ceci. Hop. Et les petits bols se présentent comme ceci. Ça fait style effet, on dirait une noix de coco en fait. Noix de coco ouverte en deux. J'aime beaucoup aussi. Après avoir avec l'eau, à force de les utiliser, mais je pense que ouais, ça peut, ça va résister. Hein. J'aime beaucoup. Donc j'en ai pris deux. Non, c'est un lot de deux, si je ne me trompe pas. Alors, ouais, c'est un lot de deux à 10,49 €. Donc le petit bol et les deux petits bols et les deux petites cuillères. Donc à 10,49 €. Vous avez vu? Oh, j'aime beaucoup, beaucoup pour les petits-déj. Quand on va se faire des petits-déj en amoureux avec Alex. Sans les enfants. Non, trop, trop beau. Ça me fait penser à Koh-Lanta. Vous avez vu, vraiment, effet noix de coco, hein, naturel. Hein. Je sais même pas si c'est pas de la vraie noix de coco. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment réel, quoi. Avec la petite cuillère. Mignon, ça aussi, article validé. Donc n'hésitez pas les filles, n'hésitez pas les amis. Pour l'instant, Sceaux est satisfaite, et quand Sceaux elle est satisfaite, c'est que c'est une bonne chose. On passe au troisième article, catégorie cuisine. Du coup, c'est ce petit tapis que je vais tester dans quelques minutes après la vidéo. Donc ce petit tapis est un tapis en silicone et aujourd'hui ça tombe bien parce que j'ai prévu de faire des petites chouquettes aux filles. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir le tester et comme je suis quelqu'un qui pâtisse beaucoup, qui cuisine beaucoup, au toucher, je peux vous dire que, sans même l'avoir testé, je peux vous dire que ouais, ça va résister au niveau du four. Donc on a ce côté qui est pour tout ce qui est chouquettes, macarons. Et l'autre côté, pour tout ce qui est, on va dire, boudoir ou éclair, si vous voulez faire des éclairs au chocolat. Vous avez vu, il y a déjà les... Et là, juste au toucher, je sais, j'ai déjà utilisé des produits comme ça. Je peux vous dire que, ouais, c'est du solide. Et ce petit tapis, il était à... Si je ne vous dis pas de bêtises... À 5,49 €. Donc, en silicone et perforé. J'ai trop trop hâte de le tester. Comme je vous ai dit, je vais le tester en plus là dans quelques minutes, dès que j'ai fini la vidéo. Et franchement, sans même l'avoir testé, juste au toucher, je sais que c'est de la bonne qualité. Ça va être résistant au niveau du four. Donc voilà, petit tapis de cuisine que je vais saigner. Vraiment, je vais l'utiliser à fond parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup cuisiner, que ce soit du salé ou du sucré. Donc là, avoir ces petites démarcations comme ça, déjà, ça va bien m'aider. Ah là là, trop trop hâte. Hop là. Maintenant, on va passer à la catégorie linge de maison. Comment vous dire que je suis encore une fois choquée et satisfaite. C'est vraiment, vraiment satisfaite. Donc là, on va partir sur ce... l'eau de housse de coussin pour l'automne. J'en ai profité, j'ai pris les trucs d'automne. Je me suis dit, on est en automne dans quelques semaines, donc pourquoi pas tester du linge de maison, mais déco d'automne. Donc c'est un lot de 4. À combien? Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'était 10 €. Ouais, 10,99 €. Le lot de 4. Regardez. Sont trop trop beaux, je les ai choisis. Après vous avez plusieurs modèles, hein, mais moi j'ai choisi beige avec des petites touches orange et tout, vraiment pour que ça sera pour le salon. Oh, j'aime beaucoup avec les dessins de citrouille et ils sont très très solides, hein, vraiment très très costaud. Hello. Oh là là. La housse c'est du 45 cm sur 45, mais j'ai mis un coussin 50 sur 50. Donc en soi, très très contente. Trop trop beau. J'aime beaucoup. En sachant que les housses de coussin comme ça, attendez. En sachant que les housses de coussin comme ça, style décoration d'automne, au magasin, déjà une housse, vous la payez genre 5 €.
6 euros, c'est vraiment très très cher. Très très cher. Enfin très très cher, 5 euros la housse. Si vous en prenez 4, déjà ça vous fait du 20 euros le lot de 4 quoi. Donc là pareil, j'ai craqué pour celle-ci aussi. Les petites citrouilles. Ah, j'ai trop hâte. Les vidéos spéciales automne cette année, elles vont être trop trop cool. Très très colorées. Donc celle-ci, elle est à part. Je crois, si je dis pas de bêtises, à 3,49€. Vous avez vu, je l'ai acheté solo. Donc 3,49€. Pareil, 45 cm sur 45 cm. Donc très très solide, très très costaud. Je m'inquiète même pas au niveau de la machine, vraiment. Là, ça fait carrément une autre matière. Donc la dernière housse, c'est celle-ci. Hop là. Donc elle est plus douce, celle-ci. Elle était à 3,99€, celle-ci. Donc comme ça. Toujours pareil, beige avec la petite citrouille orange. Mais la matière, ouais, elle change. Et là, nous, on est plutôt sur quelque chose de doux. Vraiment très, très doux. Regardez, même au dos. Ça fait style petit plaid. Donc, celui-ci, il était à combien? Est-ce que je vous l'ai dit? 3,99€. Ensuite, j'ai choisi une petite couverture d'automne. Vraiment, au niveau du linge de maison, je me suis éclatée. J'avais trop trop envie de toucher les matières, de tester. Là déjà, toute douce. On dirait une petite couverture de bébé. Vraiment. Oh là 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 là. Par contre, elle est fine. Hein. Je la trouvais plus épaisse. Je la pensais. Je pensais qu'elle était plus épaisse. Donc celle-ci à 12,79€. Donc toujours pareil hein, sur le thème de l'automne. Pour les filles et tout, pour qu'elles se couvrent au salon. Elle est toute douce. Par contre, elle est bien bien colorée. Hein. Je sais pas. Waouh. Les couleurs, elles sont trop trop belles. Et vraiment, elle est fine hein, par contre. Hein. Et je vous mens pas, hein, vous voyez de toute façon. Elle est très très fine, elle n'est pas épaisse. Mais, elle est très très douce. Très très douce. Oh. En plus, la matière comme ça fait, elle est tellement douce, on dirait les petits plaids pour bébé. Ça va être la mienne celle-là. Vraiment, toute douce. À 12,79€ du coup. Et là, pour finir au niveau de tout ce qui est décoration de maison, enfin linge de maison, j'ai pris une petite guirlande comme ça, d'automne. Donc avec des effets feuilles mortes. C'est vraiment une guirlande toute, toute simple. Hein. Elle est à combien? 4,69€. Donc pour décorer un peu, vous savez, une guirlande toute, toute simple, comme ça. Voilà. Trop, trop hâte de tester. Hop là. Donc petit panier pour ranger tout ce qui est couche qui était à 10,29€. Qui se présente comme ceci. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Hop là. Oh. Ok. Oh, trop choupi. Pour l'organisation, surtout moi qui aime bien m'organiser. Regardez à l'intérieur. Il est joli. Waouh. Et devant, baby. C'est ça, baby? Ouais, baby. À 10,29€. Ça va être nickel pour moi pour l'arrivée de bébé. Comme ça, au moins, ça me fait un petit panier, en fait, quand je suis au salon pendant toute la journée. Parce qu'il faut savoir que j'ai un étage. Et je ne vais pas forcément faire des allers-retours toute la journée à monter, descendre, monter, descendre. Donc en soi, franchement, non, nickel. Pour avoir un petit panier, disposer les petites couches à l'intérieur.
poser tout ce que j'ai besoin pour la journée, en fait. Et je sais que je n'ai pas à remonter, quoi. Regardez, j'ai mis le petit séparateur et ça donne ça. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais. Donc, mettre les couches, les lingettes et ici mettre tous les petits soins dont j'aurai besoin pour la journée. Comme ça, je sais que je ne remonte pas à l'étage de la journée, quoi. En plus, portable comme ça. Il est très, très solide, par contre. Hein. Encore une fois, satisfaite. Hein. Très, très solide. On regarde au niveau des coutures. Je vérifie pour vous. Ouais. Au top du top. Je ne sais pas si vous voyez, vu... par rapport à la caméra, est-ce que vous le trouvez grand? Mais il est grand, hein? Ça va. C'est assez grand pour mettre plusieurs produits à l'intérieur. Hop. Et en dernier article, j'ai choisi ces petites trousses. Donc, comme vous avez pu le voir durant les vidéos précédentes, j'ai déjà fait ma valise de maternité. Mais je n'ai toujours pas encore accouché. Et franchement, ces petites trousses tombent à pic. Parce que du coup, j'ai la petite trousse, les affaires de maman. Et celle de bébé. Donc ici, je pourrais mettre les 2-3 trucs qui me restent à mettre. Tout ce qui est thermomètre, petit peigne. Après, en général, je n'utilise pas trop le peigne durant les premiers jours, la petite brosse. Voilà, les petites bricoles, on va dire. Les petites bouteilles de soins pour bébé. Donc, dans celle-ci. Et du coup, pour moi, ici. Dans la vidéo valise de maternité, je ne vous ai pas montré ce que j'allais ramener au niveau soins intimes. Mais voilà. Donc, dans cette petite trousse, je pense que tout sera dedans. Elle est grande aussi, je ne sais pas si vous allez voir. Les affaires de maman et celles de bébé. En beige comme ça, j'aime bien. Le lot de deux, parce que ouais, c'est un lot de deux. C'est à combien? 6,99 €. Étui de voyage, on va dire. 6,99 €. Très très solide aussi. La petite fermeture, les coutures, elles sont nickel. Satisfaite encore une fois. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de ce petit haul et je peux vous dire que je suis très très satisfaite des articles que Temu m'ont envoyé. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez le petit code qui s'affiche ici, qui est une offre exclusive pour cette collaboration. Vous avez jusqu'à moins 90% et vous avez 100 € en coupons, en lot de coupons sur le site. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des achats à faire. Allez-y, les yeux fermés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout, surtout, à vous abonner à ma chaîne. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à remercier Temu pour cette magnifique collaboration. Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.